Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis. En ce mardi 6 avril 2021, 17h50, heure du Québec, il fait très beau encore ici, on est chanceux. Il faut en profiter pendant que ça passe. On a appris des mauvaises nouvelles. D'ailleurs, heureux de vous retrouver, tous. J'espère que vous allez tous bien malgré les mauvaises annonces qui tombent de partout. Au Québec aussi, on a eu notre petit lot de mauvaises annonces, mais pas si pire. François Legault a annoncé à 17h que le Premier ministre du Québec, qu'on retournait à... La situation, euh, il y a quelques jours, une semaine ou deux, ou deux semaines à peu près, hein, avant euh, qu'ils qu prennent la décision de ramener les étudiants euh, à temps plein, on retourne à, à cette situation-là, où les gyms seront fermés en zone rouge, on avait permis aux gyms de réouvrir, les commerces restent ouverts pour l'instant, ça c'est une bonne nouvelle, et les étudiants du troisième, quatrième secondaire vont faire une journée. À l'école, une journée en ligne, une journée à l'école. Donc, ce n'est pas si dramatique. On va aussi imposer le masque pour les plus petits aussi euh, à l'école. Mais les enfants euh, s'adaptent à tout. Et euh, c'est la situation actuelle. Donc, pour l'instant, on va voir s'il y a des changements par la suite. Mais comme le disait François Legault, c'est à peu près la seule chose euh, dans laquelle vous pouvez mettre votre arrêt absolu et croire, c'est que c'est partout pareil dans le monde. C'est partout pareil. Le Québec vit pas dans une dimension euh, à lui hein, particulière. Toutes ces décisions-là se prennent à travers le monde parce qu'on fait face à une pandémie mondiale. C'est pas une conspiration, c'est pas un coup monté. C'est juste un événement comme il y en a eu plein d'événements dans l'histoire de l'humanité. Puis ça en est un. On a une génération, nous, la mienne, dans la cinquantaine, la quarantaine, la trentaine, qui avons été Hyper gâté, on n'a eu aucune complication, on a eu que de la facilité, l'avancement de la technologie, le luxe, hein? le, la prise en charge par l'État dans nos pays hein? euh, plutôt à tendance socialiste, ce qui est très très bien, j'ai rien contre ça, mais il faut que ça se paye. Comment ça se paye, c'est avec des taxes, on va y revenir dans quelques instants. Mais nos générations, on a eu tout cru dans le bec, la facilité. Le ventre plein, la technologie à gogo, la consommation à gogo, jamais eu de conflits, jamais eu de difficultés. On n'a jamais rencontré vraiment de crise majeure, de drame majeur. Quand il y a eu des conflits, c'était au fin fond euh, de la planète bleue, ça ne nous concernait jamais. Les générations qui nous ont précédés ont eu la guerre, ben, si on va remonter pas si longtemps, hein, 14-18, 39-45 les plusieurs pandémies, hein, dont celle euh, de la grippe de Corée, je pense dans les années 50, la fameuse pandémie de la grippe espagnole, enfin le crash, la dé grande dépression, le monde crevait dans les rues. Là, nous autres, on a été vraiment gâté. On n'a rien, rien eu. On a eu que de la facilité, que du nombrilisme, que du narcissisme, que de l'égoïsme. Puis là, aujourd'hui, on a notre première épreuve. De calibre international, historique, biblique, puis le monde se comporte comme des bébés gâtés. Comme des bébés gâtés, et ça pleurniche, et ça pleurniche, et ça pleurniche. Je me demande ce que ce monde-là, de, no de nos générations, qui sont incapables de, de mettre un pied devant l'autre sans qu'on leur mette des marques sur le sol, ce qu'ils auraient fait en 14-18. 39-45, la Grande Dépression, la grippe espagnole, la grippe coréenne, ceci, cela, maman mia. Wow! Donc, il faut prendre ça comme une épreuve qu'on traverse tous parce qu'on est tous dans le même bateau puis on a tous eu la vie quand même plutôt facile. Et là, ben on a une épreuve. Puis il faut passer à travers. Puis on va passer à travers, comme toutes les autres générations avant nous sont passés à travers des épreuves. C'est parce qu'à un certain moment donné, il faut prendre de la maturité, il faut devenir adulte. C'est bien beau de toujours se plaindre, se plaindre, se plaindre des politiciens. Les Français se plaignent des politiciens. Moi, je me suis plaint. je m'en plains plus des politiciens, parce qu'ils ne sont pas blâmer dans rien de ce qui nous arrive à tous les jours, depuis toujours les français les québécois les américains les belges tout le monde se plaint toujours des politiciens. ben les politiciens viennent pas d'une autre dimension sortent pas d'une membrane magique les politiciens sortent de nos familles sont élevés dans nos familles nos politiciens sont élus par nos citoyens Et tant qu'on aura des citoyens ignorants et égoïstes, comme le disait George Carlin, on aura des politiciens ignorants et égoïstes qui nous représenteront. Parce que dans le fond, ils viennent de nos familles, ils sont le reflet de ce qu'on est. Et George Carlin allait même plus loin. Il disait à ceux qui l'écoutent ou qui l'écoutaient, mais moi je l'écoute encore euh, abondamment. Quand vient le temps des élections, il dit Moi, je reste chez nous. Il dit Je sais, les gens aiment ça, tourner ça à l'envers. Hein? Ils disent Ah, oh, si tu ne vas pas voter, tu n'as pas le droit de critiquer. Mais il dit C'est quoi la logique là-dedans Toi, tu t'en vas voter. Tu mets des gens incompétents, corrompus, au pouvoir qui créent des bordels continuellement. C'est toi qui les a mis là. Tu n'as aucun droit de te plaindre, tu n'as aucun droit de critiquer. Et dis-moi, de l'autre côté, le jour des élections, je ne suis même pas sorti de chez nous. Je suis resté à la maison, je ne suis pas allé voter, je suis obligé de subir ce que vous avez envoyé à l'Assemblée nationale ou au Parlement. Je ne suis pas allé voter, ce n'est pas moi qui les a mis en place, c'est moi qui ai tous les droits de critiquer. Donc, <laughs> j'aime bien son approche, mais tout ça pour vous dire que... Les politiciens sont le reflet de la population. Ils viennent de nos familles, de nos mères, de nos pères, et sont élus par nos citoyens. Que tu le veuilles ou non, c'est ça qui est la réalité. Pendant ce temps-là, hier, je vous disais, parce que moi, je n'ai rien contre le fait qu'on veuille des politiques inclusives, des politiques sociales, fortes, c'est important parce qu'on est dans un monde hein, euh, où on vit tous en communauté. Tu as intérêt à voir tout le monde le plus possible avec le vent plein et le moins frustré possible. Et pour subvenir à des besoins de certaines personnes qui n'ont pas les capacités de faire ceci ou cela, ou qui n'ont pas eu l'éducation, ou qui n'ont pas eu l'exemple. Et si tu veux faire baisser le taux de criminalité, le taux de... Violence, le taux de tout ce que tu peux regarder de négatif dans la société, tu as besoin d'un support et de filet social pour une certaine partie de la population. Moi, je suis bien d'accord avec ça. Mais d'un autre côté, il faut que tu comprennes que si tu veux tout ça, puis les gens sont là dans la rue, partout, à tout demander, puis tout demander, tout demander, tout demander, à tout bout de champ, à nos politiciens puis au gouvernement, mais ben c'est qu'à un moment donné, il faut que quelqu'un paye la facture. Et le seul moyen que les gouvernements ont, puis ils n'en ont pas trouvé d'autres jusqu'à présent, puis ça, tu peux remonter jusqu'à Matusalem, hein? quand euh, les rois veulent de l'argent, ou les pharaons, ou les dirigeants, ou les généraux, ou le pape, qu'est-ce qu'on fait? Le pape, lui, il quête l'argent. Nos gouvernements, eux, te taxent. Ils te mettent des impôts, et ça, tu peux remonter la taxe. Et l'imposition hein, du bien, ça remonte à il y a très, très longtemps. Puis que tu le veuilles ou non, ils n'ont pas trouvé d'autres moyens. Ils n'ont pas trop d'ingéniosité là-dessus. C'est la solution la plus facile qui s'offre à eux. Puis le monde est habitué. Il faut s'avouer que le monde s'est habitué. À se faire taxer, c'est comme à peu près devenu une normalité. Hein? On l'accepte, on est même. On défend les impôts et la, les, la taxation. C'est assez aberrant, mais c'est ça pareil. Parce que si tu veux plein, plein de choses, quand les gens progressistes arrivent au pouvoir, ben ils réalisent que ils ont besoin d'argent et la seule façon d'aller chercher de l'argent, c'est de taxer les entreprises et les particuliers. Et là, Janet Yellen, qui est la nouvelle secrétaire au Trésor de du gouvernement américain de Joe Biden, qui est un gouvernement progressiste, vraiment progressiste, surtout si tu le compares à, aux quatre années d'enfer que le monde ordinaire a eu à vivre sous un gouvernement euh, de Donald Trump complètement axé sur les plus riches, les plus nantis, l'administration Trump a coupé dans tout ce qui est d'aide sociale. Et ils se vantaient après ça en allant devant les caméras pour dire Voyez-vous, on a sorti le plus de monde des bons alimentaires puis de la dépendance de l'aide sociale. Non, c'est parce que tu l'as coupé. Le salaire minimum est à 7,65, le salaire minimum fédéral. Les gens sont obligés d'avoir trois, quatre emplois pour survivre. Il y en a beaucoup de ces gens-là qui travaillaient, qui avaient euh, une aide sociale additionnelle et des bons alimentaires. Mais les Républicains. Ça, c'est le genre, les conservateurs républicains, puis George Carlin l'a bien identifié, ça. les autres, ils s'entendent sur le fait hein, qu'il faut défendre le fœtus. Ils sont là pour combattre hein, pour euh, la survie du fœtus. De la conception jusqu'à l'accouchement, jusqu'à neuf mois. Après ça, ils ne veulent plus rien savoir de toi. Ils ne veulent plus entendre parler de toi. Pas de services post nato pas de repas à l'école, pas de départ dans la vie, pas d'aide sociale, pas de timbre alimentaire, rien. Pour les républicains, dans leur mentalité, on va aller chercher l'argent, mais il faut le redonner aux riches et aux bien-nantis. C'est comme si on a un dédain de la population. Et Donald Trump a fait ça pendant quatre ans. Donner l'argent juste aux riches, aux mieux nantis, puis à plus absolument rien fait pour le monde ordinaire, sauf leur couper tous les programmes d'aide sociale. Puis après ça, ils venaient se pavaner devant les caméras pour dire Voyez-vous comment on est efficace en économie. Nous autres, on a plein, plein de gens, c'est historique, qui débarquent des timbres alimentaires puis qui débarquent de l'aide sociale. Non, tu leur as coupé. On a passé des règlements pour couper. Hein? On est tous en faveur du fœtus, on veut toute euh, la survie du fœtus chez les républicains, hein? on est contre l'avortement, mais une fois que tu es arrivé sur Terre, au monde, ils ne veulent plus rien entendre de toi jusqu'à ce que tu atteignes l'âge militaire. Là, tu es vraiment quelqu'un de spécial, tu es vraiment celui qu'on cherchait, parce que pour les républicains et les conservateurs, Hein? On est tous en faveur de nouveaux-nés en pleine santé pour pouvoir les élever, pour qu'ils puissent finir comme des soldats morts au combat. Et ça, c'est la mentalité. Moi, je la connais, je l'analyse depuis des années. Vous le savez. Puis j'ai été obligé de. J'avais comme pris un espèce de mouvement pour m'en aller vers cette, cette idéologie-là, mais j'ai été sauvé par euh, un miracle. Je me suis réveillé et je vous avoue que je suis bien heureux vraiment heureux de m'être réveillé parce que c'est une fumisterie incroyable, la fumisterie des conservateurs et la fumisterie des républicains. Hein? Qui, vous allez voir, ce débat-là n'est pas fini sur l'avortement, même si c'est complètement aberrant parce que ça ne regarde personne d'autre que la femme. Et pour les républicains et les conservateurs et les pro-vie, le rôle principal de la femme, parce qu'eux autres, ils n'aiment pas la femme. C'est aussi simple que ça. Pour eux autres, le rôle principal de la femme, c'est d'être une mère porteuse pour l'état. Rien d'autre. Donc, Yellen appelle un, un impôt mondial sur le revenu des sociétés. Hein, je vous ai parlé de ça hier. Ben, ça n'a pas été long, puis je vous avais, je vous laisserai le lien de ça dans la boîte de description. Imaginez-vous que maintenant, les Européens, le lendemain. Ils sont optimistes quant à un accord fiscal mondial d'ici juin. Parce qu'on attendait ça depuis longtemps en Europe, parce qu'en Europe, on a plusieurs pays qui sont à tendance progressive et progressistes et socialistes. On n'a qu'à penser à des pays hein, comme la France, entre autres. On n'a qu'à penser à des pays comme le Danemark, la Finlande, la Suède, les pays euh, scandinaves, où il y a un niveau de taxation assez élevé, mais les gens vivent bien. Sans casse-tête, parce qu'ils ont tous les services dont ils ont besoin, sans se casser la tête, sans savoir s'ils vont être capables d'avoir une opération, un médecin, envoyer les enfants à l'école et ainsi de suite, avoir un filet s'ils perdent leur emploi. C'est pris en charge par l'État. Il y a à peu près 50%, peut-être 60% de ton salaire, au moins, qui s'en va, mais les gens ont un niveau de vie très élevé. Il n'y a pas d'anxiété, il n'y a pas d'angoisse dans ces pays-là. Les Européens sont. vraiment, euh, comment dire, euh, des habitués hein, du progressisme. Et là, on attendait depuis longtemps un gouvernement américain progressiste. Et là, il y en a un vrai, parce qu'on ne peut pas qualifier le gouvernement de Barack Obama euh, d'avoir été vraiment euh, très progressiste. Même lui-même, euh, lui, euh, lui -même, dans une entrevue, s'était décrit comme un républicain modéré. Donc, hein, il n'y a pas eu grand avancement euh, sociaux euh, sous Barack Obama même si dans l'ensemble, ça a été quelqu'un d'extraordinairement euh, adoré, aimé, puis quelqu'un qui, qui était d'un grand calibre intellectuel, là, comparativement à l'homme des cavernes qu'on a eu pendant quatre ans. Les responsables de l'Union européenne envisagent de conclure un accord mondial pour harmoniser les impôts sur les sociétés et imposer des prélèvements plus efficaces sur les géants de l'Internet d'ici la fin juin, à la suite d'un appel des États-Unis. L'appel de la secrétaire au Trésor, Janet Yellen, en faveur d'un taux d'imposition minimum global pour les entreprises a été chaleureusement accueilli. Paolo Gentiloni, le commissaire européen chargé des affaires économiques, a évoqué la perspective d'une percée d'ici l'été. Et le ministre allemand des Finances, Olaf Scholz, a qualifié la proposition de percée. Je suis optimiste que nous pouvons mettre fin à cette course vers le bas sur l'activité fiscale des sociétés, a déclaré Scholz aux journalistes mardi, avant une réunion mercredi. Avec les homologues du G20, où l'harmonisation fiscale sera à l'ordre du jour. Yalun a présenté les arguments en faveur d'un taux d'imposition des sociétés harmonisées et de nouveaux prélèvements numériques dans les principales économies du monde dans son premier grand discours sur la politique économique internationale depuis son entrée en fonction dans l'administration du président. Joe Biden. Il s'inscrivait dans le cadre d'un effort visant à restaurer le leadership mondial et la crédibilité auprès des alliés américains à la suite de l'approche unilatérale de l'ère de Donald Trump. C'est rapporté par Bloomberg. Donc, je vous laisserai ça dans la boîte de description aussi. Donc, vous avez vu comment ça s'est euh, rapidement hein, concrétisé. On en parlait hier. Voyez-vous. Boum. Et aujourd'hui, <laughs> ça y est. 6 avril, c'est fait. C'est sûr qu'on s'en va vers ça. Et ça va mettre la table pour un système mondial, sûrement, plus euh, axé sur un partage, plus sur une équité. Il est à peu près temps qu'on mette de côté cette vieille, vieille euh, école de pensée républicaine, conservatrice, qui, quand tu regardes un peu à travers le monde, est en voie d'extinction. Puis ce n'est pas vraiment une mauvaise nouvelle, ça non plus.